Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment partager le code ou le mot de passe du réseau Wi-Fi sur son téléphone mobile. Pour l'exemple, sur un premier téléphone, qui est un Samsung Galaxy, on va se rendre dans les paramètres. Si vous utilisez un autre modèle, n'hésitez pas à signaler dans les commentaires lequel vous utilisez et si vous avez ou non les mêmes fonctionnalités. Puis, on va se diriger dans la section connexion. Et plus bas, on va sélectionner « Point d'accès mobile » et « Modem ». Ici, on va donc activer le partage de la connectivité Internet de notre portable à travers son propre réseau Wi-Fi. Ensuite, en allant dans « Configurer », on a la possibilité de modifier le nom de ce réseau et surtout de changer le mot de passe pour s'y connecter. Pour valider, on va appuyer sur « Enregistrer ». Autre fonction intéressante, tout en bas, en appuyant sur « Code QR », on va nous créer un flashcode correspondant à notre réseau Wi-Fi. Comme indiqué, il suffit à n'importe qui de scanner cette image pour s'y connecter directement, sans même entrer le code ou le mot de passe de connexion. Par la même occasion, on nous propose de la partager facilement à nos contacts. Maintenant, si l'on utilise un autre appareil mobile, il nous suffit de scanner ce QR code. On peut par exemple utiliser l'appareil photo. Dans ce cas, en allant dans ses paramètres, à travers cet écrou, on vérifie si la fonction numérisation des codes QR est bien activée. Ensuite, nous n'avons qu'à pointer son objectif sur ce flashcode. Automatiquement, il va ainsi être scanné, nous proposant par la suite de nous connecter à ce réseau Wi-Fi. Et comme on peut le voir, la connexion s'y effectue directement sans contact et surtout sans entrer le moindre code. Hehehehehehe